Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. Donc en premier, je commence par mon ménage. En premier, je fais le lit. J'ai activé le robot aspirateur pour qu'il s'occupe de l'aspiration du sol. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Et là, je fais le lit très rapidement. Je vaporise sur le lit mon mélange eau et assouplissant, ça sent vraiment super bon. On a vraiment l'impression que les draps sortent de la machine, ça a vraiment une odeur incroyable. Je mets bien sûr ma musique pour faire ça, je vous le dis à chaque fois, la musique ça motive et ça permet de faire les choses encore plus rapidement. Là je prends mon plumeau Swiffer, celui-ci vraiment je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore testé. Il a un long manche et du coup vous pouvez vraiment faire votre poussière sans... sans avoir un manche très court, vous n'êtes pas obligé de vous baisser complètement, enfin vraiment c'est le top. Donc vraiment je fais la poussière partout, sur les tables de chevet, sur la cheminée, la télé, la totale. Et j'allume ensuite une petite bougie, elle sent vraiment super bon celle-ci, ça sent vraiment les gourmandises d'automne. Donc voilà, quand je fais mon ménage, j'aime bien voir une petite bougie comme ça allumée. Ensuite, c'est parti, je m'occupe du sol, parce que l'aspirateur a fait le nécessaire. Donc là, moi, je prends la serpillière et je lave le sol. Donc, je prends le seau, celui-ci. C'est un seau que j'avais acheté chez BM en promotion. Et franchement, il est vraiment, vraiment top. Vraiment, vraiment. Quand vous ne voulez pas trop vous fatiguer, il est parfait. Donc je mets du produit à la lavande à l'intérieur. Je mets de l'eau brûlante dedans pour bien... décontaminer mon sol, on va dire, pour bien désinfecter le sol. Je passe dans la chambre de Victor et William. Donc là, juste avant, vous avez vu, l'aspirateur a fait son petit tour également dans cette pièce. Et là, c'est parti pour la serpillière. Vraiment, je fais ça très 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 rapidement. Le nettoyage en profondeur comme ça avec ce système-là de serpillière, je le fais pas à chaque fois. Mais là, je l'avais noté et j'avais la motivation ce matin pour le faire. Donc voilà, ça sent super bon en plus et ça permet d'avoir vraiment un bon coup de frais dans la pièce. En petite recette express là pour ce midi, je vais faire une soupe de patates douces. Donc du coup j'ai mis autant de patates douces que de pommes de terre. Et j'ai coupé également un oignon, c'est tout. Et je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur. Et ce sera bon pour moi, les enfants, je vais leur faire autre chose. Je vous ai déjà expliqué, je fais deux repas en ce moment. Un pour moi et un pour le reste de la famille. C'est parti, je vous montre, mais c'est vraiment très simple en fait. Je vous montre, je vais tout mettre dans mon appareil et je vais rajouter de l'eau et ce sera bon. Donc pour les enfants.
enfants, c'est champignons poulet avec du riz. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui passe à tous les coups. On est mercredi, c'est la course. Donc j'ai choisi encore une fois la facilité. Là, je vais monter un petit peu. Voilà, je vais remonter un petit peu le feu. Et après, là, c'est bon. Tout le monde va pouvoir manger. Allez, petit tour chez Action. Je vous montre les petits arrivages. Alors là, on a des livres, enfin des cahiers, ouais, comme ça, de stickers. Ça, c'est trop, trop bien pour les agendas et tout, pour pouvoir les personnaliser. Vous avez plein, plein de modèles différents à l'intérieur. Et ils sont seulement à 99 centimes. J'essaie de vous montrer un petit peu. Vous avez plein, plein de choses. Vraiment, il y a de tout. Moi, j'adore les personnaliser. Vous avez plusieurs modèles différents. Du violet, de tout. Alors, donc là, nous avons le retour de ces poufs. Là, on en avait pris, nous, à l'époque. Oui, parce que ça fait un moment, franchement, qu'on les a... Mais je crois. Si, on les avait, ceux-là, non ? On avait celui-là, mais à force de monter dessus et tout, les enfants, ils l'ont cassé. Donc, il a duré un moment quand même, mais voilà, il faut faire attention. Ils sont à 9,95, ceux-là. Et vous avez le panda, également. Et là, vous avez aussi un modèle comme ça. Il est mignon, celui-là, c'est quoi ? Je sais pas, un chien, peut-être ? Vous avez le chien pour mettre dans une petite chambre d'enfant, franchement c'est sympa. Le gris il est pas mal. Ouais, c'est joli comme tout ça. Ici on a des étagères comme ça murales en bambou avec du noir ici, enfin du métal. Du métal pour accrocher sur le mur. C'est pas mal, ça change un petit peu. Sinon vous avez toujours celle-ci. Alors celle-là déjà je vous disais pas des prix, c'est 4,95. Et sinon vous avez ça. En noir et en blanc. Je trouve qu'elles sont un peu trop profondes, celle-ci à 6,95. Alors donc là on est venu principalement pour ceci. Voilà, petites planches comme ça. Enfin, c'est pas des planches, c'est des tapis de silicone, ils mettent plaque à génoise. Mais moi je vais m'en servir justement pour ma recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer. Et j'avais absolument besoin d'un tapis comme ça. C'est 3,99 ou sinon vous les avez en dur. Je vais voir si j'en trouve, mais je suis pas sûre. Ici vous avez le mousseur à lait. Alors j'ai jamais testé celui-là. Mais apparemment il est pas mal, parce que je l'ai vu en démo sur Insta et apparemment il est bien, qu'il est à 19,95. En nouveauté vous avez des bols comme ça, gris, franchement j'aime trop. Je vais peut-être craquer, franchement ils sont trop mignons. Et aussi vous avez les tasses qui vont avec, 85 centimes la tasse. Et sinon vous avez aussi ce style de bol là, avec des traits dessus, ou bien des petites tasses comme ça. Franchement ça vaut pas cher du tout, 99 centimes le bol. Et la petite tasse, enfin le mug, 85 centimes. On a même les assiettes ici, les grandes assiettes plates comme ça, grises, à 1,89. Il y a plusieurs nuances de gris. On n'a pas les 50 nuances, mais et sinon vous les avez en plus petites. Et sinon en bol, enfin en assiette comme ça creuse. Il y a du blanc, mais vous avez aussi du gris. Et les assiettes sont à 1,69. Celles-ci là, les creuses. 1,39 les petites comme ceci. Et 1,89 les plus grandes. J'aurais dû vous dire le prix au fur et à mesure, mais là je me suis emballée là dès que j'ai vu tout ce gris. Nouveauté, et je sens que je vais craquer. Regardez ces petits bols là. Alors vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez même vous en servir pour faire des petits bols de riz, vous savez, dans votre assiette pour présenter, ou même mettre des petites sauces à l'intérieur. 2,99. Ah, je me tâte. Ah, faudrait que j'arrête de me tâter comme ça. Ça c'est pas mal aussi avec ce motif là. Ou sinon comme ça. Je sais pas. Ça me tente. Sinon vous avez en nouveauté ces tasses là avec des animaux dessus. 1,12€ la tasse. Si vous êtes fan d'écureuils, d'oiseaux, d'animaux champêtres, forestiers, tout ça c'est là. Vous avez tout. Dans le coin Noël, j'ai pas trouvé beaucoup de nouveautés, mais par contre j'ai vu cette superbe bougie là. Vraiment très belle. Je sais pas, au niveau des couleurs, on a le doré comme ça. Là c'est plus rose gold comme ceci. Je vois pas, je sais pas s'il y a du gris ou pas. Je pense qu'il doit y avoir de l'argenté, non? Ah, je suis pas sûre. Ah si, de l'argenté, elle est trop belle. Elle est trop jolie. Ah, 3,95. C'est la... Oula, j'ai failli faire un carnage. Ah ouais, elle est pailletée quoi, partout. Vraiment trop jolie celle-ci. Pareil pour mettre au niveau du centre de table pour Noël. Là, vous avez plein de nouveaux pop à 3,99. On a plein. Après c'est souvent les mêmes. Je sais pas trop franchement pour Victor. C'est pas des. Ah si, c'est Jurassic World, il y a écrit là. Mais c'est la fille, ça me dit rien, je connais pas ça. Docteur Je sais pas. Bon, bref, vous avez ça, mais c'est pas les plus connus on va dire. Voilà, à ce prix-là, forcément, c'est pas les plus connus. Alors là, franchement, je suis hyper étonnée. Je viens de trouver ceci.
vous savez, les gros ballons comme ça. Et ça, vous en avez dans les maternités pour vous soulager au niveau, à l'accouchement. Mais même avant, dès que vous avez des contractions, vous pouvez monter dessus, ou enfin même quand vous avez mal au dos. Donc franchement, je me tâte, j'en prendrais bien un. Alors pas maintenant, parce que ça va encore, mais d'ici un mois, dans un mois, je pense que ça va être bon ça. 6,99€, c'est vraiment pas cher. Du coup, je savais pas du tout qu'il y en avait ici. Ah, c'est top, franchement c'est top. 13 personnes en bambou, ça change, c'est original. 9,95€. Au niveau maquillage, vous avez un set comme ça, full glamour set, avec pas mal de choses, mascara, des petits bijoux, enfin c'est plus pour les fêtes, hein, très clairement. Un crayon pour les yeux, mais doré, vous avez des ombres à paupières liquides, un peu, pareil, doré, enfin avec des paillettes. Et pour les ongles, vous avez ça. Et c'est 6,79€. La fameuse palette que je vous ai montrée, je sais plus trop quand, 4,99€, hein, elle est passée au lieu de 6,79€. Ça vaut trop le coup, elle est vraiment belle à l'intérieur. Dedans, elle est comme ça. Franchement, elle est vraiment belle. Même pour offrir, franchement, pareil, idée cadeau à moins de 10€, ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment belle, celle-là. Là, ici, vous avez un organiseur comme ça, pour le coton. 1,99€, l'organiseur. C'est la première fois que je le vois. Ça, c'est pratique. Après, moi, j'utilise plus de coton du tout, mais pour les autres cotons. Vous savez, les cotons réutilisables, à voir si ça rentre dedans. À voir. Là au rayon gel douche pour hommes, vous avez des gros gel douche comme ça, 3 en 1, bah, pour le corps, visage, cheveux. 2,49€. Ils sont énormes. Énormes, franchement. Très très gros. C'est combien? C'est 1 litre. C'est 1 litre. Ah, je suis trop contente. Regardez ce que je viens de trouver. Les yeux. J'avais peur de ne pas en trouver. Les yeux, décoration en sucre, 89 centimes. Vous avez aussi des petites cuillères comme ça en chocolat. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Chocolat noir. Et c'est issu du commerce équitable. 99 centimes, je pense que vous pouvez la faire fondre dans du lait par exemple. Ou bien là, ils l'utilisent avec un petit, une petite verrine comme ça, sucrée. Vous avez l'aspirateur, vous savez que j'utilise tout le temps, tous les ans, depuis un moment. Et il vient d'Action, c'est ce modèle-là, en fait, il est vraiment bien. Vous pouvez donc soit souffler les feuilles, soit les aspirer, et tout va dans le sac. Et c'est 19,98€, c'est en promotion, ça vaut trop le coup. Parce qu'il est vraiment efficace. Et franchement, nous, on le maltraite pas mal. Il reste dans le jardin, enfin dans le banc et tout. Il a déjà pris un peu d'humidité. Et franchement, il fonctionne toujours bien. Donc ça, vraiment, je vous recommande. Là, vous avez le retour de ces petites pommes-là. Elles sont trop jolies. À 1,67€. Elles sont vraiment belles. Elles sont aussi comme ça, en grise ou en noir. Elles sont vraiment belles. Alors donc là je vous montre une petite recette hyper facile à faire pour dans le thème Halloween, pour votre soirée d'Halloween ou pour je sais pas si vous voulez faire une petite soirée à thème avant, voilà, un week-end par exemple. Je vais vous montrer comment faire une araignée hyper facilement avec de la pâte feuilletée. Là j'ai pris des petits yeux, tout à l'heure je vous ai montré chez Action, et il vous faudra également de la pâte à tartiner. Voilà, donc là moi j'ai pris celle-ci au grand frais parce qu'elle est sans huile de palme et qu'elle est hyper bonne. Donc c'est parti, je vous montre. Donc là je viens de prendre mon tapis en silicone que je viens d'acheter chez Action, je l'ai lavé avant, hein. Je vous ai pas montré, mais voilà, je préfère le préciser parce que des fois en commentaire on me pose la question, est-ce que tu l'as lavé, etc. Donc oui, ça a été lavé en express, plus vite que mon ombre. Alors, du coup, là, alors c'est mieux de le faire avec une pâte rectangulaire. Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi avec une pâte ronde. Donc vous déroulez votre première pâte. Bon, ça dépasse un petit peu, mais comme on va couper les extrémités, ça c'est pas bien gênant. Et là, vous allez pouvoir, mettre de la pâte à tartiner partout sur votre pâte. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Vous prenez un petit ramequin comme ceci, que vous placez au milieu. J'ai fait deux triangles, pas vraiment triangles, vous voyez. Donc là les chutes, je vais les garder, on va les manger en faisant autre chose, enfin je vais les torsader. Mais là dans un premier temps on va retirer tout ça.
voyez, rien de bien compliqué. Vous allez faire des pattes, donc des bandes à peu près égales. Vous allez torsader vos pattes, donc comme avec la tarte du soleil, je sais pas si ça vous parle. Une fois que vous avez torsadé vos pattes, vous retirez tout doucement votre ramequin. Voilà, et là on va dorer avec soit du jaune d'œuf, soit un petit peu de lait. Là je vais prendre du lait. Et là, on va enfourner pendant entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Alors, ambiance Halloween, les enfants. Mmh, mon Dieu. Alors là, on va mettre les yeux. Je vais prendre tout ça, simplement. C'est la colle, ça. On va prendre le chocolat comme ça. On va en mettre dessus. Si j'arrive avec une main, ça va être très périlleux. Je pense que je vais vous poser. Est-ce que c'est mangeable les yeux? C'est du sucre, donc oui. Et là, sucre. Ça, c'est la colle. Prenez une bouche. Voilà, une bouche avec des yeux, ça va être compliqué. Bon, nous on va passer à la dégustation. On va détruire notre araignée. Les araignées qui font peur. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.